Bien, nous sommes aujourd'hui réunis près de notre lavoir municipal pour inaugurer le jardin Célestin Ribière. Un de nos ancêtres qui a été un poilu de la guerre de 14, qui a été maire à Saint-Alexandre de 1926 et de 1935 à 1945. Si nous avons baptisé de son nom ce jardin aujourd'hui, c'est le fruit d'une collaboration entre ses descendants, sa famille et la communauté. Ce jardin qui entourait le lavoir était rendu à l'état de friche et servait de dépôt d'ordures à tous les passants. Grâce à la collaboration et à la convention que nous avons passée avec la famille de Madame Sabatier-Yvonne, notre doyenne, il a été possible de l'aménager, de le réhabiliter, de réutiliser la source qui est là, de refaire des plantations. Tout ça a été possible grâce à quelques entreprises, la société Barcelot qui s'est occupée du lavoir, ainsi que l'association Famille Rurale, la société Atout Environnement qui a fait travailler les jeunes apprentis paysagistes sur ce jardin, et enfin les bénévoles, quelques villageois qui nous ont aidés à labourer, M. Dupuis, M. Robert qui nous ont aidés à travailler à labourer, les élus et le personnel communal et un bon nombre de villageois qui ont mis la main à la pâte. Aujourd'hui, le résultat est là, ce jardin commence à prendre un peu d'allure. Bien sûr, même si le terrain reste la propriété de la famille Sabatier, ce jardin est, de par la convention, géré par la collectivité communale et est à disposition de toute la population et de tous les gens qui voudront bien profiter de sa fraîcheur et de son exposition. La seule chose que l'on peut souhaiter, c'est que les gens respectent cet endroit particulier et privilégié. Et puis, bien, donc, comme l'avait souhaité la famille, nous le baptisons du nom de l'ancêtre qui était propriétaire de ce terrain et qui a été notre maire, Célestin Ribière.